Une centaine de journalistes ivoiriens participent à ce séminaire de formation. Objectif, s'imprégner de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la presse ou dans les médias en général, quand vous regardez les publications ou les contenus sur ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, la qualité n'est pas toujours à la hauteur. Et donc ça tient au fait que les acteurs de ce secteur-là n'ont pas forcément les outils et n'ont pas forcément les capacités et la connaissance pour pouvoir aborder ces sujets-là. En plus de la formation en TIC, les journalistes sont instruits sur les techniques d'expression écrite et orale. On sait très bien que lorsqu'on échange avec quelqu'un, l'essentiel ce n'est pas uniquement ce que l'on dit, mais il y a aussi la manière dont on dit ce qu'on est en train de transmettre à notre interlocuteur. Acteur important de la vulgarisation de l'information, les journalistes saluent cette initiative. Aujourd'hui, une information chasse rapidement une autre. Donc les journalistes que nous sommes, nous devons nous adapter à la nouvelle technologie pour qu'en espace d'un moins rien de temps, nous puissions rapidement véhiculer les informations pour permettre au public qui nous suit d'être au même niveau d'information dans le monde entier. Il ne faudrait pas qu'on se dise que parce que nous sommes journalistes sur Internet, donc le web doit ôter tout ce qui est déontologie et éthique. Ce séminaire, qui va durer 2 jours, a pour thème central le journaliste moderne, compétences et outils technologiques. Plusieurs modules de formation au programme, notamment le nouvel environnement des médias d'aujourd'hui et le journaliste moderne esquisse d'un portrait robot.